Bonjour, François-Olivier, votre formateur visio. Aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter du texte à mes formes ou à mon document. Voici un organigramme sur une feuille dont je souhaite rajouter le texte, le titre. Pour cela, dans l'onglet Accueil, je vais chercher ici l'outil texte. Et avec un clic gauche, maintenant et en agrandissant la forme, je peux sélectionner donc la zone de texte et mettre ici organigramme du service par exemple. Je reviens en outil pointeur en cliquant sur outil pointeur. Autre possibilité de rajouter du texte, dans insertion, j'ai ici aussi zone de texte. Zone de texte horizontale, mais j'ai aussi la possibilité de faire une zone de texte verticale. Si je veux rajouter du texte dans une forme, je sélectionne ma forme et en double-cliquant, je peux, comme ici, rajouter le texte. J'ai aussi la possibilité de rajouter dans l'onglet toujours insertion une infobulle et mettre par exemple 18 techniciens. Je valide. Quand je suis à l'extérieur, bien sûr, je n'ai rien. Et quand je passe ma souris dessus, que je la laisse un petit moment, vous voyez que j'ai bien l'infobulle qui apparaît, 18 technicien. Autre possibilité aussi, dans les formes, si je souhaite, vous voyez, déplacer, ici je peux facilement déplacer ma zone de texte et je la mets où je veux dans mon document. Par contre, au niveau des formes, si je sélectionne, je ne peux pas dépasser comme ça. Pour ce faire, dans l'onglet Accueil, je vais ici sélectionner cet outil, Boîte de blocs de texte. Quand je clique dessus, vous voyez que cette fois-ci, je n'ai sélectionné que ma zone de texte. Et je peux la déplacer et utiliser le petit rond, par exemple, pour lui donner une légère inclinaison. Je reclique ensuite sur outil pointeur et vous voyez que j'ai bien ici ma zone de texte qui a été juste sélectionnée et pas que la forme. Voilà la formation sur les outils de texte, zone de texte, des formes est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Visio.